Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Le revers à deux mains est le revers le plus en vogue depuis quelques années sur le circuit pro. Je vous explique l'exercice de base pour y parvenir, Carlos Alcaraz étant le modèle à suivre. L'erreur fréquente est d'entamer un mouvement circulaire avec les poignets et ainsi d'agir sur la tête de raquette qui décrit un arc de cercle. Ça, c'est terminé. La solution est de vous situer à la distance des bras allongés contre une bâche ou un grillage. Faites une série comme objectif de terminer le mouvement, les cordes bien collées à la bâche. Les deux bras sont allongés, ce qui correspondra à la distance de l'impact. Dans un deuxième temps, relâchez les épaules et les bras, avec comme conséquence un tamis se terminant à plat derrière vous. Avec une balle, faites ensuite le geste en deux temps. 1. Je marque un temps d'arrêt façon miroir en fin d'avancée. 2. Même objectif, mais cette fois-ci je fluidifie le mouvement sans temps d'arrêt lorsque je relâche les épaules. Comme Carlos Alcaraz, le tamis doit naturellement faire face à l'arrière de votre crâne en toute fin de geste. Ceci sera l'indicateur. Votre niveau de jeu ne correspond pas à vos attentes. Je vais transformer votre tennis en quelques heures. Je vous promets des résultats au-delà de vos espérances. Contactez-moi tout de suite.